Wap koute Mentalitude. Mentalitude, c'est un podcast qui traite thématiques psychologiques, santé mentale et développement personnel moun. Objectif podcast ça, c'est aider à atteindre plus haut niveau épanouissement personnel et émotionnel possible. Moun kap présenté au podcast ça, c'est psychologue Ousmane Jérôme. Bonne écoute. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Moi, c'est Ousmane Jérôme. C'est toujours avec plaisir, moi, tourner encore aujourd'hui dans l'espace pour présenter au 72e épisode de Mentalitude. Alors, si vous attendez nous pour première fois, Mentalitude, c'est un podcast hebdomadaire qui parle sur santé mentale, psychologie et développement personnel. Et en parlant justement de développement personnel, jodi a nan nouveau épisode de Mentalitude sa, nou gen privilège an genyen comme invité DJ Kemisa. Yon nom ki sanse passer de présentation nan milye showbiz la an Haïti, notamment à Port-au-Prince. Alors, pa genyen yon prédisposition génétique ki déterminé dès la naissance garçon supposé fait tel métier ou du moins fille supposé fait tel métier. Donc, carrière professionnelle, yon garçon ka exercer, yon fi ka pratiquer le tout. Donc, carrière professionnelle, yon fi capable pratiquer, yon garçon capable exercer le tout, depuis le gagner potentiel pour ça. Mais ça pas empêché, pour yon raison yon l'autre, gen pile métier dans société a, c'est garçon nou plus souhait qui pratiquer yo. Et yon nan yo c'est domaine DJ. Dans la communauté haïtienne, nous avons compté sous doit nous quantité de filles qui gagnent dans le domaine ça. Et c'est pour ça même jodi a avec DJ Kemisa, nous allons regarder raison et motivation qui fait lui lancer dans le domaine ça. Comment lui est tête lui dans un secteur côté c'est plus garçon cap dominer comme activité ça tout, li participer dans épanouissement li comme moun malgré tout obstacle li capable rencontrer. Kemisa, merci tout d'abord parce que ou te répond à l'invitation nous. Bonjour et bienvenue dans Mentalitude. Bonjour, c'est un plaisir pour moi dans Mentalitude et la saluer tout le monde déjà qui est toujours fidèle à l'émission ça et qui a accueilli avec plaisir dans cette émission, dans supporter l'émission. Je pense que il y a un pile auditeur auditrice Mentalitude et Captain Dela qui compte Kemisa. Mais comme d'habitude, nous toujours demandé inviter nous ça. Comment capable présenter tête rapidement pour moun k'ap tande épisode de Mentalitude ça Kemisa. Alors, non complètement c'est Kemisa Priscille, mais plus moun ka connaît sur notre artiste moi qui c'est DJ Kemisa parce que c'est à travers lui-même que moi j'ai une certaine visibilité et une plateforme que depuis quelques années m'a évolué là-dedans. Donc sinon, Kemisa, c'est un monde qui a plusieurs chapeaux, c'est un juriste, c'est un féministe, c'est un activiste, c'est un monde vraiment qui essaie d'impliquer le plus que possible dans la communauté. En fait, parallèlement à l'autre activité professionnelle ou gagnée, ou arrivez créer temps pour pratiquer DJ Kemisa. Mais dis-nous, qui côté désir ça, qui côté passion ça, si tu es capable de briller le concert venir pour question DJ hein? Au fait, je n'ai pas imaginé un jour un tap DJ. Bien sûr, j'ai toujours aimé la musique. Et avec un peu de recul, ouais que j'ai pas allé vers là parce que depuis l'école, dans la journée créative, tout ça a un rapport avec l'aspect culturel et l'aspect musique là. C'est moi qui étais toujours et plus chaud, plus devant pour organiser tout ça. Et à travers les cours de piano que j'ai pris, elle aime de l'école tout. Et me songe en le la carrière après communion donc connait époque ça c'est des matériels lourds que DJ te gagne c'est pas même j'ai connait côté matériel puis facilement transportable donc DJ a tout matériel de la carrière et puis songe le lendemain matin les réveiller mal de mettre tout appareil ma PC dit c'est donc son anecdote façon musique c'est toujours ensemble mais c'est vraiment pas un pur hasard et je vais aller monter sur scène mais pure hasard ça
mwen pran trez o seryo, lè mwen realize ke pa gen pil fi nan domen nan, e mwen te gen an diferans mwen pote nan se sa. Ok, 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 super. Men, eske avan men mwen te lanse ou nan domen nan, ou te gen yon DJ, ke se swa fi ou gason ki te serve ou, kom model ou du mwen se ki te inspire ou? Oui, mwen te gen ta DJ ki te inspire, malouzan pa travay direktman avèk an mentor, men, vu ke mwen te evolye an Europe, alò se la kon fè etud universite mwen, donk nou konen ver les anè 2010, se vremen la monte an vogue, des DJ. Donc, j'ai eu une chance exposée à ça et j'étais vraiment impressionné par le travail que DJ a fait sur scène, surtout avec la musique électronique. Donc, tout ça, parce que j'ai eu une répercussion sur moi. Et c'était vraiment la montée en vogue de DJ et ça a eu un pile de répercussion sur moi en tant que consommateur de musique électronique à un point tel que même si je ne suis pas DJ moi-même, mais c'est la première fois que je me download. Yon software DJ, alors télécharger yon software DJ pour commencer à faire des mix pour moi-même seulement. Personne ne va te prendre des vidéos, mais vraiment, c'est pour te dire que c'est là pour commencer à développer et technique que okay. Bien j'ai une par rapport à l'influence. Et tu as dit tout que, je ne pas un mentor à proprement parler, mais de plus en plus, je me donne des conseils avec l'autre pair DJ qui est dans le domaine, d'autres DJ qui viennent avant. Que un assistant DJ d'un côté full blast qui toujours accueilli, qui toujours conseillé, mais ça me rappelle. Mais vraiment, et technique que je vais développer, c'est pour construire propre identité de femme, ça me va vraiment absurde au monde. Ok, ok, ok. Maintenant, Kémy, ça nous va rentrer dans le fait, nous va rentrer dans la pratique. En fait, nous connaissons que pas gagné et une prédisposition génétique pour dire que tel métier c'est pour garçon, tel autre métier c'est pour fille. Même si nous capable remarquer gagner en série de métiers, nous ouais, c'est plus garçon qui fait yo. Le cas de DJ par exemple en Haïti, nous capable compter sur douette nous quantité fille qui a pratiqué. Comment ou même ou est-ce que dans un secteur comme ça qui c'est plus ces garçons qui pratiquent. Femme dit tout que tout à l'heure elle m'a dit que c'est un peu hasard que me monter sur scène, mais vrai déclic là c'est justement parce que je vais réaliser que c'est un milieu majoritairement dominé par des hommes et me définitivement gagner en bagage pour me prouver. Et c'est là qui peut faire tout un changement dans qui j'aime percevoir domaine, qui j'aime voulait avancer dans domaine. Et c'est grâce à obstacle ça justement de milieu qui majoritairement dominé par des hommes que je comprendre un pile bagaille qui va permettre moi et fonder et caractère moi, fonder identité pour m'avancer. Parce que si tout était facile, je pas penser que je tape DJ que mieux je dis. C'est justement par rapport à obstacle ça que tu vas essayer imposer au premier des hommes. Okay. Côté que le fait que son fille il joue doublement, il fait tous ces détails. Donc tout challenge ça vraiment pour aider dans succès si on peut dire comme ça parce que c'est pas facile. OK, OK. Voilà, je pense que réponse ça bon dans l'étude bon occasion pour moi et poser question ça. Est-ce que parce que ou fille ça ba ou un certain privilège nan milieu ya, ou du moins ça li constitue yon barrière, yon obstacle pour vous? Bon, malheureusement pour moi, je peux sentir que c'est un obstacle. Un peu moins de la pensée à le fait que vous s'enfuyez ou gagnez des atouts et que ça fait supposé passer bien pour vous. Je ne pas dire que le fait que vous s'enfuyez pas jamais aller dans l'avantage, gagnez un avantage, gagnez un inconvénient, mais si je fais un bilan, je suis plus aware que c'était des obstacles. Parce que, premièrement, pour me convaincre, et que ce soit promoteur, public, toute la chaîne, parce que je prends au sérieux, c'est tout un travail que je dois faire. Parce que, en général, je pense que FIO et les orientés dans le domaine, là, c'est pour juste un hobby, c'est pas quelque chose de sérieux, que pas aussi fort que les garçons, que place pas là. Donc, tout ça, il a fallu beaucoup de temps pour convaincre. Et tout le monde que ok on était très sérieux par exemple et pour yo carrément et quitte en soirée là même donc si n'a pas choix pour un mariage mariage par exemple et plus souvent et client les douter est-ce que m'a capable qu'embé toute en soirée en haleine donc des doutes comme ça
dans l'exemple, parmi tant d'autres pour montrer que qui j'ai été obligé de travailler doublement pour me faire imposer dans le domaine, sans compter de par rapport avec les mêmes rémunérations. Je disais, il n'y a pas les deux filles qui touchaient moins propre qu'un garçon. Donc, tout ça, c'est un travail que j'ai obligé de faire au cours des années. Donc, malheureusement, et le fait que je suis fille, pas et plus un avantage pour moi, au contraire, jusqu'à soulever des inconvénients. Ok, ok. Donc, si je comprends bien, et par rapport à ce que tu dis là, qui mis ça en termes de contrat, que ce soit c'est une quantité contrat ou du moins un montant contrat ou à bien yo, donc ou pas traité au même titre que DJ qui garçon yo là. Exactement. Ok, 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 ok. Pense que j'ai ou mentionné là gain pile obstacle non seulement pour ou même comme fille mais t'as dit pour toute DJ cap fonctionner dans et milieu et haïtien. Moi je suis certain ont fait des expériences positives qu'on s'est en tout cas fait des expériences qui moins positives qui au moins est enseigné ou du moins apprendre on une sorte de leçon par contre sous partager au moins il y en a avec nous ils ont expérience qui positive et on l'autre qui plus ou qui pas tellement positive mais qui apprend nous on leçon depuis que on va apprendre depuis que on va pratiquer et métier en DJ ça en Haïti. Oui, tout à fait. Je m'apprends un pile leçon et j'aime te dire dans l'introduction, c'est à travers tout obstacle que je comprends un pile bagaille qui j'ai pour m'avancer. Donc, tout à l'heure, je me dis que c'était difficile pour moi pour me faire des contrats, pour me faire une confiance client. Kounyen, et c'est pas du tout le cas. Donc, ça veut dire que je suis arrivé à gagner confiance. Je me suis dit que je suis un DJ qui est super actif et pratiquement gagne des contrats et presque tous les week-ends de l'année. Donc, super. Et ça, et que ce soit en fille ou bien que ce soit en DJ garçon, c'est pas tout DJ qui a dit ça. Donc, ça veut dire que j'ai des expériences positives quand même, mais qui viennent à la suite dans discipline, dans travail, dans études de marché, de comprendre qui j'ai évolué, de comprendre et qui ça qui a atteint public là, qui ça qui a atteint promoteur. Donc, tout ça, c'est un ensemble de travail que m'a arrivé faire à travers les obstacles. Et qui vient commencer à porter des fruits qui mènent vers le succès. Super, super. Comme dans le commencement de l'épisode, là, vous avez déjà mentionné que vous avez l'autre occupation professionnelle ou c'est un juriste. Ça veut dire que nous sommes capables de dire DJ que vous avez pratiqué, évidemment, c'est un bagage. Ou nous capables de dire en plus de questions et quoi vous êtes capable de faire là-dedans, mais c'est un bagage ou fait par amour. Moi imaginer que son activité le fait que Ouremel qui participait dans épanouissement personnel au commun qui mis ça pas vrai. Oui tout à fait, il participait dans épanouissement personnel moi et toujours aimer dire ça expérience que m'a vécu je dis à côté que m'a impacté la vie des monde que m'a pas même connaît qui a suivi soit sur les réseaux sociaux ou bien qui était une chance ouais non spectacle donc c'est des expériences que m'a jamais imaginé des monde que m'a rencontré je dis à atap jam mwen kontre yo si mte selman rete nan bul pam, se le fet ke justement mwen ale nan aventure sa ki chanje la vim kompletman. Super, super. Au delà de obstak, kek obstak ou mansyone la, mpase ke gen pil jen, kapitan de mentalitude nan mouman sa la, ki ta souwete lanse ou nan kesyon an DJ a. Pou nou referme e entretien sa, kemi sa, si vous avez un message pour jeunes ça, surtout jeunes filles, parce que nous d'accord que quantité filles qui a pratiqué DJ en Haïti nous capable compter yo sous doit nous. C'est qui message vous êtes capable lancer by jeunes ça, surtout jeunes filles qui t'a souhaité lancer yo dans domaine ça. Alors femme du que plateforme moi complètement dédiée à la cause de la femme, donc même si que m'a essayé encourager la jeunesse en général, même toujours un message particulier pour jeunes filles, pour me dire que faut être conscient de que nous vivons dans une société patriarcale, que gagne pile obstacle captain. Et lors conscient de ça, ça permet tout aborder problème au plus bien, ça permet tout et construire tout plus bien pour faire face à danger. Et qui ça me parle de construire tout, ça veut dire toujours former tête, toujours essayer apprendre, toujours qu'il y ait une discipline, persévérance, audace pour qu'arriver côté les rivières et c'est conseil ça que nous donnons côté pour jeunes filles. Kimi sa, mwen gen yon première fois nan mentalitude, m'espere que peut-être yon l'autre fois nan va parler l'autre thématique surtout qui gen pour avec la femme, surtout jeune fille nan communauté haïtienne. C'était vraiment un plaisir. Donc à la prochaine quoi.
Oui, ce sera tout qui a un rapport avec cause des femmes, encourager mon espace en femme, c'est toujours plaisant et c'est toujours un plaisir pour vous répondre à ça. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, c'était avec nous DJ Kemisa. Donc, j'en nous capable de remarquer, il y a un monde qui gagne plusieurs chapeaux, mais qui pratiquait DJ tout d'abord par passion et amour, mais d'une manière ou d'une autre, ça a participé dans l'épanouissement comme monde. En dépit de tout obstacle, il est capable de faire face dans pratiquer métier ça dans la société haïtienne. Merci parce que vous avez entendu l'épisode Mentalitude ça. Non, Pam, c'est Osman Jérôme. À la prochaine pour un autre épisode Mentalitude. Thank you.